Bonjour à tous, petit tuto. Alors, sur la donne de l'aéroport de Biarritz, LFBD, BZ, juste pour vous voyez un peu la différence pour certains qui n'auraient pas encore acheté d'add-on ou qui ne voudraient pas en acheter. Des fois, ils n'auraient pas tout à fait tort. Parce qu'il y a quand même beaucoup, et au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc voilà, ça c'est un add-on gratuit. Donc déjà, vous voyez le parking qui est ici. Bon là c'est dégueulasse hein. Bon à la fois le rond-point est super bien fait mais je pense que le rond-point il est de base mais ça va pas être de base ça. Donc il y a ça déjà. Sinon je vais vous faire un petit tour. Sinon il est quand même bien fait hein. Franchement c'est un peu la cadence. Ah oui, et puis il y a un autre truc aussi. Je sais pas si vous voyez là, vous avez des passerelles. Voilà. À ce niveau-là, elles bougent toutes seules. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'elles ont les passerelles là. Elles ont une petite maladie que je ne connais pas. Bon, c'est dommage parce qu'il est pas mal quand même. Hein. Il est pas mal. Parce que j'en avais pris un autre, mais franchement, il m'avait moins plu. Donc celui-ci me paraissait le mieux entre les deux. Après, il y a quand même le choix. Hein. Bon, le parking, c'est pas terrible. Hein. Putain, il y a une rangée de passerelles là. Ah, elles font la course en fait. Ah, ça va être ça. Ah, ok, d'accord. J'avais pas compris comme ça. Donc voilà quoi. Hein. C'est là-bas, c'est tout plat. C'est gratuit, mais bon. Moi, sur le truc gratuit, il y a vraiment un truc qui me plaisait énormément. C'est la nuit. Parce que la nuit, vous avez ces projecteurs-là qui éclairent. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et le payant ne l'a pas, ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment ce qui me manque sur le. Ça donne une réalité quand on revient de la piste. C'est, ça éclaire super bien la nuit. Je vais vous montrer la nuit, hein, vous allez voir. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Non, même la nuit est super bien fait et tout, hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. À la limite, il est plus beau la nuit que le jour. Alors. Si vous atterrissez 2 jours, faut en mettre un autre. Si vous atterrissez 2 nuits, vous mettez celui-là. Ah, je sais pas de l'autre côté s'ils y sont. Normalement, ils y sont les lampes. On va les voir. T'as une caméra à rebouger ou quoi? Vitesse du drone. Ah, au moins, ça va plus vite. Oh putain, je suis dans les arbres. Ah ouais, là aussi ils sont. Oui. Ah, je suis confus, hein. Ouais, j'étais peut-être un peu vite là. Non, franchement, ça c'est super bien fait. Hein. C'est vraiment le truc qui manque sur le payant. Je vais vous montrer le payant après, comment qu'il est. Bon, les passerelles qui bougent, ça c'est pareil, ça c'est inutile complet quoi, en fait. Surtout des passerelles qui bougent, c'est un peu dommage quoi. Plus de travers. Hein. Donc voilà pour le gratuit. On se retrouve bientôt pour le payant. Le temps que je change la piste et tout le tralala. Là tout de suite. Alors bonjour, nous voici sur ce coup-ci. Bah, c'est toujours Biarritz, hein, bien entendu, mais la version payante. Donc déjà, on va faire un petit tour. Ah, les essuie-glaces qui mettent en marche, nickel. Ah, ça aussi, nickel. Comme ça, on voit rien. D'ailleurs, on va regarder le fameux parking sur lequel on était tout à l'heure. Et vous pouvez voir déjà qu'il y a une sacrée différence. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Bon, ça, c'était pour le parking.
L'herbe est beaucoup plus belle. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à redire aussi. Le tarmac au lieu. Ah, il y a un écho. Il n'est pas beau, cet écho. Alors, il y a la partie centrale. Bon, c'est quand même mieux fait, il n'y a pas à dire. Hein, mais... Après, c'est peut-être pas le même temps non plus, c'est ça surtout. Hein. La station essence à droite. Voilà. L'aéroport. Très bien. Bon, la piste, on va pas faire le tour de la piste, parce que tout ailleurs, c'est pareil. La piste, il n'y a pas de souci. Ah, je vais vous montrer quand même deux nuits, le devant. Et après, je vais vous montrer les fameux feux que je vous disais, là, que je regrette que ça y est pas sur celui-là. Bah, ils y sont les feux, mais ils éclairent pas du tout pareil. Ça, c'est un peu dommage. Ça rajoute un peu de réalité. Voilà. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Ah, celui-ci, je crois qu'il est à 19 euros, hein. Il me semble. Par contre, les trucs bleus qui sont éclairés bleus, je sais pas ce que c'est. Peut-être normal, je sais pas. Peut-être en période de Noël. Ah, il est sympa. L'aérodrome est sympa. Aéroport. Putain, je vais y arriver. Aérodrome, aéroport. Alors, les feux, je vais vous montrer. Ils y sont. Mais alors, ils éclairent beaucoup moins. Et franchement, c'est le seul truc que je regrette. Hein. Et on les voit pas de loin, déjà. Voilà, là on commence à les voir. Hein. Vous voyez? Ouh putain, j'ai trompé de bouton. T'es trop loin. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage, quoi. Mais sinon, on va regarder en face. Vous avez les bâtiments, tout éclairé. Hein. Il n'y a rien de plat. Hein. On va remettre 2 jours pour voir, mais... Il me semble pas qu'il y ait du plat. Hein. Non, vous voyez. C'est super bien fait. Non, celui-ci, le seul truc, c'est les feux. Sinon, tout le reste, tip top. Oh, c'est encore d'assaut, ils sont de partout. Ah, c'est l'endroit des hélicos, ça. Mais c'est quoi le truc rose, là? Un avion, ça? D'assaut, avion. Ah oui, c'est un avion. Rose. C'est pas à moi. Ah, voilà. Un bel add-on. Ah, que je n'en regrette pas. Voilà, pour l'add-on de Biarritz, ce sera ça. Après, je vous ferai d'autres tutos concernant d'autres add-ons. Parce qu'en fait, il y en a tellement, mais bon, je pourrais y passer ma vie non plus. J'ai un métier, hein. Moi, j'ai pas le temps, j'ai rien à faire, mais j'ai un métier. Allez, bon vol à tous, bye bye.